Question numéro 1. Je dois réduire l'allure. Réponse A. Allumer les feux de route pour mieux voir. Réponse B. Activer l'essuie-glace. Réponse C. Activer le désembuage. Réponse D. Donc ici, tout d'un coup, il se met à pleuvoir. Donc forcément, pour mieux voir, d'abord, dans un premier temps, on va activer les essuie-glaces parce que là, forcément, on a très mauvaise visibilité. Donc il va falloir aussi réduire l'allure quand il pleut. On a risqué d'aquaplaning. Donc il faut être plus prudent, surtout si on y voit moins bien. Et généralement, quand il pleut aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a de la buée qui arrive sur les vitres. Vous voyez, commence à avoir de la buée ici. Donc, il faut activer aussi le désembuage à l'avant comme à l'arrière. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit réduire l'allure. Donc, allumer les feux de route pour mieux voir. Donc, non, je vous rappelle, donc, en plein jour, il faut allumer les feux de croisement. Les feux de croisement en plein journée servent à être mieux vus des autres. Mais ça ne me permet pas de mieux voir. Donc non, surtout pas de feux de route en pleine journée. Donc on réduit l'allure, on active des essuie-glaces et on active le désembuyage. Donc bon, réponse A, et C et D. Question numéro 2. L'entretien régulier d'un véhicule réduit sa durée de vie. Réponse A. Sa consommation. Réponse B. Sa pollution. Réponse C. Alors, si je fais un entretien régulier de mon véhicule, alors ça sert à quoi? Alors, attention à ces questions, toujours entre réduire, augmente, diminue, etc. Faites bien attention à bien comprendre les questions. Donc, si je fais un entretien régulier, est-ce que ça va réduire la durée de vie de mon véhicule? Donc, non. Au contraire, ça va plutôt augmenter mon véhicule. Va pouvoir durer plus longtemps, donc ça ne va pas réduire, ça va pas diminuer sa durée de vie. Par contre, ça va réduire sa consommation de carburant. Je vais moins consommer, donc oui, et comme je consomme moins, je pollue moins aussi. Donc voilà, attention entre qu'il met le petit piège là, bien faire attention. Je réduis la consommation et la pollution. Donc, bonne réponse B et C. Question numéro 3. Le premier facteur d'accident sur autoroute est la somnolence. Réponse A. L'alcool. Réponse B. La vitesse. Réponse C. Alors, le premier facteur d'accident, donc là, attention, on nous demande uniquement sur autoroute. Donc, ce n'est pas dans tout le réseau routier. Là, on précise uniquement sur les autoroutes quel est le premier facteur. Alors, on pouvait croire que c'est la vitesse, un peu ce qu'on trouve sur autoroute, entre guillemets, on roule vite. Donc, non, le premier facteur d'accident sur autoroute, c'est la somnolence. La fatigue. Donc pourquoi? Parce que généralement, on prend l'autoroute pour faire des longs trajets. Généralement, donc les longs trajets en plus susceptibles forcément d'être fatigués. Et le problème aussi de l'autoroute, surtout s'il n'y a pas grand monde, c'est la monotonie du trajet, c'est-à-dire on roule puis on fait pas grand-chose. Donc on n'est pas actif, on passe par les vitesses, etc. C'est toujours pareil. Donc forcément, on n'est plus sujet à s'endormir.
coup sur la route, on va dire normale, où elle faut tout le temps accélérer, freiner, passer les vitesses, etc. Donc le premier facteur d'accident sur autoroute, c'est la somnolence, la fatigue. Donc bonne réponse A. Question numéro 4. Ce camion transporte des matières dangereuses. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comment savoir si ce camion transporte des matières dangereuses? Donc voilà, il faut regarder si on a ce petit symbole, donc orange avec des chiffres. Donc oui, ce symbole sur les camions signale qu'il transporte des matières dangereuses. Donc oui, réponse A. Question numéro 5. L'utilisation du régulateur de vitesse peut favoriser une baisse de vigilance. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, le régulateur de vitesse, qu'est-ce que c'est? Donc, on programme une vitesse, par exemple, paramètre 130, et sur autoroute, bien sûr. Et une fois qu'on enclenche le régulateur, donc la voiture roule toute seule à la vitesse choisie. Par exemple, 130, sans appuyer sur aucune pédale, ça accélère entre guillemets tout seul. Donc, est-ce que l'utilisation de son régulateur de vitesse donc peut favoriser une baisse de vigilance? Donc, malheureusement, ce petit système, on a l'impression forcément que la voiture roule toute seule parce qu'elle accélère toute seule. Sauf que forcément, ce véhicule ne va pas freiner tout seul. C'est pas le véhicule qui gère tout seul l'allure. Mais c'est vrai qu'on a un petit peu, on a un petit peu cette sensation. Donc, bien sûr, ça peut malheureusement favoriser une baisse de vigilance. Puisqu'on vient de dire, on a peu l'impression que le véhicule roule tout seul. Donc, il faut bien sûr être toujours concentré. Donc, oui, réponse A. Question numéro 6. Ce panneau peut mettre fin à une interdiction de stationner. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau met fin à l'obligation d'allumer les feux. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ce panneau, qu'est-ce qu'il veut dire? Donc, c'est une fin, forcément, c'est barré. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une fin de toutes les interdictions qu'on a eues avant. Donc, fin de toutes les interdictions. Donc, par contre, applicable aux véhicules qui sont en mouvement. Donc, ça n'interdit pas, ce n'est pas une interdiction de stationner ou de s'arrêter. Par exemple, ça peut mettre fin à une limitation de vitesse, à une interdiction de dépasser. Une limitation de vitesse, tout ça. Donc voilà tout ce qui est un panneau d'interdiction. Donc, aux véhicules qui sont en mouvement, donc sauf l'arrêt et le stationnement. Donc ce panneau peut mettre fin à une interdiction de stationner, non. Alors, comme je viens de vous dire, ça met fin à toutes les interdictions. Là, on parle d'obligation d'allumer les feux. Est-ce que ce panneau met fin à une obligation? Non, c'est la fin des interdictions et pas des obligations. Donc non, non plus. Donc bonne réponse B et D. Question numéro 7. Lors d'un long parcours, le conducteur a tendance à modifier sa position de conduite. Oui, réponse A. Non, réponse B. À être moins vigilant.
Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, bien sûr, si on fait un long parcours, donc le conducteur, bien sûr, a tendance à bouger un petit peu, forcément se redresser, etc. Donc, c'est vrai qu'on reste longtemps assis sur une chaise, sur un fauteuil, etc. On bouge assez souvent, donc oui, donc toujours lors d'un long parcours. Donc, est-ce que le conducteur a tendance d'être moins vigilant? Donc, oui, malheureusement, avec la fatigue, etc. À la longueur du parcours, on a tendance à être moins vigilant. C'est pour ça que c'est important de faire des pauses régulières. Donc, bonne réponse A et C. Question numéro 8. En ville, entre une conduite nerveuse et une conduite normale, la consommation de carburant peut augmenter jusqu'à 20%. Réponse A. 30%. Réponse B. 40%. Réponse C. Donc, en ville, forcément, donc la consommation de carburant peut très fortement augmenter si on a une conduite nerveuse. Qu'est-ce que c'est une conduite nerveuse? Alors, on accélère entre guillemets pour rien. On freine en dernier moment plutôt d'avoir une conduite souple et normale. Oui, on peut forcément qu'on accélère beaucoup plus fort, on va consommer plus de carburant. Et ça peut augmenter bien sûr jusqu'à 40%, ce qui est quand même conséquent. Donc, bonne réponse, c'est... Question numéro 9. Je passe sans céder le passage. Réponse A. Je cède le passage à droite. Réponse B. Je cède le passage à gauche. Réponse C. Donc ici, nous arrivons à un carrefour, donc géré par des feux tricolores, et on peut apercevoir un panneau. Ce panneau nous annonce priorité à droite. Alors, comment ça se passe dans cette situation? Parce qu'on a un feu et un panneau qui nous annonce qu'on n'est pas prioritaire. Donc, en fait, le panneau, on l'utilise, on prend sa signification uniquement quand le feu ne fonctionne pas. Ou alors, il était à l'orange, quelle ligne on prend? En centre. Donc là, comme le feu fonctionne, donc il est au vert, il va passer au rouge, alors l'orange, etc. Donc ce feu fonctionne. Donc on ne tient pas compte des panneaux. Les panneaux sont uniquement là quand le feu ne fonctionne pas. Donc là, on tient uniquement compte du feu. Le feu est vert. Feu vert, on passe sans céder le passage, puisque à gauche, comme à droite, il va y avoir le feu rouge. Donc mon réponse A. Je pense sans céder le passage. Question numéro 10. Je ne suis pas assurée. En cas d'accident responsable avec un tiers, je paierai les dégâts de mon véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les dégâts de l'autre véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, donc si je conduis, je ne suis pas assuré. Donc forcément, j'ai aucune assurance derrière moi qui va me couvrir. Donc si j'ai un accident, donc forcément, je vais payer les dégâts de mon véhicule. Et bien sûr aussi les dégâts de l'autre véhicule. Donc bonne réponse A et C. Donc c'est pour ça, c'est très important de bien être assuré. Parce que voilà, on a...
aucune forcément couverture. Donc là, on parle que des dégâts matériels. Ça ne peut pas chiffrer énormément. Et voilà, si on avait des dégâts humains, forcément, donc ça peut coûter très très cher, forcément. Donc il faut être assuré, ne conduisez jamais sans assurance. Donc bonne réponse A et C. Question numéro 11. Conduire en téléphonant a pour effet d'augmenter le temps de réaction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Augmente la vigilance. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc, si je téléphone en conduisant, donc alors toujours attention à ces questions. Là, entre augmente diminue. Faites bien attention à ces mots-là. Donc, est-ce que ça pourrait faire d'augmenter le temps de réaction? Donc, non. Donc, mon temps de réaction, c'est le temps que je mets à réagir face à une situation imprévue. Je vous rappelle qu'il a à peu près 1 seconde et forcément c'est mon intention qui portait sur ma discussion. Mon temps de réaction va forcément être plus long. Donc bien sûr, il va augmenter. Donc oui, réponse 1. Est-ce que ça augmente la vigilance? Est-ce que je suis plus attentif à la route? Non, puisque je suis concentré sur ma conversation. Donc ça diminue plutôt la vigilance. Donc, bonne réponse A et D. Question numéro 12. Circulant à la même allure que les autres véhicules, je suis bien placé pour aller tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc ici, nous avons plusieurs voies de circulation pour aller tout droit. Comment le savoir? Puisqu'on a les flèches, on a ces flèches qui nous permettent de dire que si je suis placé ici ou dans ma voie, on peut forcément continuer tout droit. Par contre, pour tourner à droite, on a uniquement cette voie de droite. Donc, est-ce que je suis bien placé pour aller tout droit? Donc, sachant qu'on circule à la même allure que ces véhicules. Donc là, on a deux voies de circulation pour continuer tout droit. Est-ce que j'ai le droit d'emprunter cette voie située du coup la plus à gauche? Donc cette voie est réservée au dépassement. Donc comme un peu sur autoroute, voie rapide, c'est la même chose. Donc le code de la route dit qu'il faut toujours rouler le plus à droite possible. Donc là, j'ai effectué aucun dépassement puisque je roule à la même allure que ce véhicule. Donc, il faut que je me rabatte sur la voie de droite pour rouler le plus à droite possible. Si je continuais dans cette voie, ce serait pour effectuer un dépassement, ce qui n'est pas le cas dans cette situation. Donc, je suis bien placé pour aller tout droit? Non, il va falloir me rabattre sur la voie de droite. Donc, bonne réponse B. Question numéro 13. Je peux quitter mon véhicule immédiatement? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, je peux quitter mon véhicule immédiatement. Donc, quitter son véhicule, c'est sortir. Partir, donc pour ça il faut ouvrir forcément la portière et avant d'ouvrir la portière il faut voir si on peut sortir en sécurité. Donc pour ça, avant il va falloir contrôler le rétroviseur extérieur et tourner la tête pour l'angle mort. Ça va si on peut ouvrir la portière en sécurité. Là malheureusement, donc on aperçoit dans le rétro donc une personne qui souhaite entrer dans sa voiture. Et surtout, donc, on a un véhicule qui arrive, qui est en train de circuler. Si j'arrive, j'ouvre la portière.
Je risque fortement de gêner ce véhicule. Donc, pour l'instant, j'attends. J'attends qu'il n'y ait plus aucun véhicule avant d'ouvrir ma portière. Donc, je peux quitter mon véhicule immédiatement. Non, c'est très déconseillé. On risque de faire un écart à ce véhicule, de faire freiner brutalement, tout simplement, qui ne voit pas, qui tape forcément dans ma portière. Donc, non, dans cette situation, je n'ouvre pas immédiatement ma portière. B. Question numéro 14. Dans les stations, les pistolets de carburant sont identifiables par couleur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, dans les stations, donc oui, on ne peut pas se tromper du carburant. Donc, on a déjà forcément le nom des carburants sur les pistolets. Mais pour que ce soit encore plus facile à repérer, on a un code de couleur. Donc, par exemple, jaune pour le carburant gasoil, qui est fait pour les moteurs diesel. Et généralement, vert, on a pour les moteurs essence. Donc, voilà, donc oui, c'est identifiable par couleur, pour pas se tromper. Du carburant. Bonne réponse A. Question numéro 15. La durée du temps de réaction est en moyenne d'environ 2 dixièmes de seconde, réponse A. 1 seconde, réponse B. 2 secondes, réponse C. Alors, ça, il faut le savoir par cœur, puisque c'est des questions qui reviennent très souvent. Donc, le temps de réaction, c'est le temps qu'on met à réagir face à un imprévu. Donc, il est en moyenne d'environ 1 seconde. Alors, après, il peut augmenter ou diminuer, suivant donc comment il peut diminuer. Donc, si on anticipe assez bien les situations, si on fait bien attention, on peut arriver un petit peu à diminuer ce temps de réaction. Et malheureusement aussi peut très facilement augmenter. Donc si on n'est pas bien attentif à la route, si on est au téléphone, ou si bien sûr on a consommé de l'alcool, de la drogue, etc., bien sûr ça peut augmenter notre temps de réaction. Mais généralement, elle est en moyenne d'une seconde. Donc bonne réponse B. Question numéro 16. Une ceinture de sécurité non tendue augmente les blessures lors d'un choc. Oui, réponse A. Non, réponse B. Est obligatoire à l'arrière. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, une ceinture de sécurité non tendue, donc c'est-à-dire qu'elle colle pas au corps. Donc, bien sûr, ça peut augmenter les blessures lors d'un choc, parce que donc elle va pas se serrer automatiquement lors du choc. Et en fait, un plus projeté, donc bien sûr, on risque d'avoir des blessures plus graves. Et cette ceinture, donc bien sûr, est obligatoire à l'avant comme à l'arrière, bien sûr, même pour des très court trajet. Il faut même, si on fait quelques mètres, il faut mettre la ceinture, c'est obligatoire, à l'avant comme à l'arrière. Donc, bonne réponse A et C. Question numéro 17. Je vais tout droit. Je cède le passage à la voiture grise. Oui, réponse A. Non, réponse B. À la voiture rouge. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, ici, donc, on arrive à une intersection, donc, où on va en face, on continue tout droit. Donc, pour savoir si on est prioritaire ou pas, si on doit céder le passage, il faut regarder la signalisation. La signalisation, c'est soit des panneaux, soit des marquages au sol. Donc, ici, moi, j'ai rencontré aucun panneau. Alors, par rapport à cette voiture grise, donc, cette voiture grise, pour savoir si on doit la céder le passage ou pas, donc, on va regarder les panneaux. Donc, vous savez que généralement, voir ce qui arrive de gauche ou de droite des panneaux, c'est pas trop évident. Parce que généralement, le panneau, donc, sera de profil. Donc, c'est surtout par rapport au marquage au sol qu'on va pouvoir déterminer justement s'ils auront rencontré un panneau ou pas. Donc, vous voyez, par exemple, à gauche, on aperçoit une ligne blanche continue. Ça veut dire ceux qui arrivent de gauche ont un stop. Par contre, la voiture qui vient de droite, donc, elle rencontre aucun marquage. Vous voyez. Alors, ici, on a un passage pour piétons. Et c'est pas ça qui va dire qu'il est prioritaire ou pas. Donc là, il n'y a aucun marquage sur une bande de stop ou de céder le passage. Cette bande serait ici. Alors du coup, comme il n'y a rien, il n'y a aucune signalisation. Quand il n'y a aucune signalisation, c'est la règle de la priorité à droite qui s'applique. Donc bien sûr, quand ce véhicule arrive à ma droite, je dois lui céder le passage. Donc dans réponse A. Ensuite, donc la voiture rouge. Donc la voiture rouge arrive en face de moi. Cette voiture et le clignotant souhaitent tourner sur sa gauche. Donc moi, je vais tout droit. Je ne gêne pas le véhicule qui arrive en face. Donc je ne lui cède pas le passage. C'est quand on tourne sur sa gauche. Ce qui est le cas pour ce véhicule. Il doit céder le passage en face. Imaginez si nous, on tourne à gauche. On devait céder le passage en face, mais comme là, on va tout droit. On ne cède pas le passage en face. Donc, bonne réponse A et D. Question numéro 18. Je dépasse ce véhicule en panne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc ici, nous arrivons face à un véhicule qui se trouve en panne puisqu'il a les feux de détresse. Donc forcément, on ne va pas rester longtemps derrière ce véhicule. On ne sait pas à quel moment il va partir. Donc il va falloir le dépasser, mais forcément, avant de contourner ce véhicule, il faut voir si on peut le faire en sécurité. Donc là, nous arrivons juste après un carrefour à sens giratoire, un rond-point. Et dans ce rond-point, donc on a un camion et ce camion précise avec son clignotant droit qu'il va sortir dans cette sortie. Et justement, dans notre rue, donc le problème, si nous, on s'engage et ce camion au même moment, ça va compliquer au niveau largeur de la route. En plus, généralement, le camion ne va pas longer le trottoir, il va se décaler un petit peu par rapport à sa remorque. Donc là, il faut surtout pas y aller. On va attendre sagement que ce camion passe. Une fois qu'il sera passé, s'il n'y a pas d'autres véhicules, là, je peux forcément dépasser, contourner ce véhicule qui se trouve en panne. Donc, je dépasse ce véhicule en panne? Non. Bonne réponse, B. Question numéro 19. Je suis fatiguée. Pour m'aider sur les derniers kilomètres, je peux ouvrir la fenêtre. Réponse A. Rouler plus lentement. Réponse B. Faire une pause. Réponse C. Monter le son de la radio. Réponse D.
Alors, si je suis fatigué, donc il me reste encore quelques kilomètres. Donc, c'est vrai que quand on est presque arrivé, on peut être tenté, bien dire, allez encore un petit courage, je suis bientôt arrivé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas lutter contre la fatigue. Donc, il faut obligatoirement, je dis bien obligatoirement, faire une pause. Tous les autres remèdes ne vont pas servir à nous rendre moins fatigués. Une fois qu'on est fatigué, la seule chose à faire, c'est de se reposer. Donc, que ce soit ouvrir la fenêtre, rouler plus lentement ou monter le son de la radio, ne va pas nous empêcher à nous s'endormir. Si jamais on est trop fatigué, donc même si on est presque arrivé, pas le choix, on fait une pause. Bonne réponse, c'est. Question numéro 20. Tout conducteur doit pouvoir présenter aux forces de l'ordre l'attestation d'assurance. Oui, réponse A. Non, réponse B. La vignette du contrôle technique. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, donc, on a trois documents donc, à présenter, qu'on doit présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre. Donc, on a l'attestation d'assurance, donc pour prouver qu'on est bien assuré, puisque c'est une obligation. Donc, on doit présenter son permis de conduire, donc pour prouver qu'on a bien le droit de conduire un véhicule. Et on doit présenter la carte grise, le certificat d'immatriculation pour prouver que le véhicule n'est pas volé, qu'il est conforme, etc. Donc justement, donc voilà, donc on doit présenter l'attestation d'assurance. On vient d'en parler. Donc mon réponse A. Et s'il y a un contrôle technique qui a été effectué, ce contrôle technique sera présent sur la carte grise, sur le certificat d'immatriculation. Donc la vignette sur le pare-brise n'est pas obligatoire. C'est vrai que le contrôleur, quand il fait le contrôle technique, impose une vignette sur le pare-brise. Mais par exemple, si jamais on doit changer le pare-brise, ou peut-être pas remettre cette vignette dessus, donc ce qui est obligatoire, c'est ce qui est stipulé sur la carte grise. Donc si on a acheté un véhicule, donc c'est précisé dessus. Ou alors donc le contrôleur lors du contrôle technique impose une petite étiquette sur ce certificat d'immatriculation sur la carte grise. Donc juste trois documents à présenter au cas de contrôle des forces de l'ordre. Obligatoirement donc c'est attestation d'assurance, permis et carte grise. Donc bonne réponse A et D. Question numéro 21. L'ABS permet de diminuer le temps de réaction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Permet de diminuer les distances de freinage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, l'ABS, qu'est-ce que c'est? Donc, lorsqu'on freine très très fort, ça permet de ne pas bloquer les roues. Vous voyez par exemple sur cette photo, le conducteur donc freine très fort et les roues se bloquent. C'est pour ça que ça fait un nuage de fumée. Le problème, quand les roues se bloquent, bon, on n'a plus le contrôle de la trajectoire, on a beau tourner le volant à gauche ou à droite, le problème, comme le véhicule glisse, il va tirer tout droit. Donc l'ABS, est-ce que ça permet de diminuer le temps de réaction? Donc non, le temps de réaction, donc ça appartient au conducteur. De ce qui est électronique, de ce qui est voiture, ne va pas interférer dans le temps de réaction. Le temps de réaction, ça appartient au moment, par exemple, là, le conducteur aperçoit le ballon et appuie sur la pédale de frein. Donc, ça ne permet pas de diminuer le temps de réaction du conducteur.
permet de diminuer les distances de freinage non plus. L'ABS, ce n'est pas des freins plus puissants, ce n'est pas ça qui va faire freiner plus fort le véhicule, ça permet juste donc de ne pas bloquer les roues et de garder le contrôle de la trajectoire. Donc je vous rappelle surtout ça, c'est important à retenir. Il n'y a rien qui réduit les distances de freinage. Il n'y a aucun système. Donc bonne réponse B et D. Question numéro 22. Sur ce créneau de dépassement, la vitesse est limitée à 80 km/h. Réponse A. 90 km/h. Réponse B. Donc là, nous nous trouvons, comme c'est précisé dans la question, donc sur un créneau de dépassement, qu'est-ce que c'est? Donc c'est deux voies qui sont affectées dans le même sens de circulation pour effectuer bien sûr des dépassements. Et la troisième voie, donc celle qui est réservée à ceux qui arrivent dans le sens inverse. Donc eux n'ont pas la possibilité de dépasser. Donc, ce qu'il faut savoir, donc sur les routes en double sens de circulation, c'est limité à 80 km/h. Dès l'instant dans le double sens de circulation, sauf que exceptionnellement pour les créneaux de dépassement, c'est-à-dire qu'on a deux voies pour nous, c'est limité à 90 km/h. Donc, quand on a deux voies pour nous, on est limité à 90. Donc bien sûr, par contre, ceux qui arrivent en face, eux, sont limités à 90, puisqu'ils n'ont qu'une voie pour eux. Dès l'instant où on a deux voies pour nous, on est limité à 90. Par contre, quand ça sera la fin du créneau de dépassement, quand on repassera qu'une voie de circulation, pour nous, on repassera à 80 km/h. Mais comme là, on a deux voies pour nous, c'est 90 km/h, la vitesse limitée. Donc, bonne réponse B. Question numéro 23. Lorsque je roule vite, mon champ visuel reste le même. Réponse A, s'élargit. Réponse B, se rétrécit. Réponse C. Alors, plus je roule vite, qu'est-ce que fait mon champ visuel? Donc, un champ visuel est toujours entre guillemets de 180 degrés. Sauf que plus on va rouler vite, plus notre attention sera focalisée. Le cerveau pourra analyser que les données qui vont être juste devant nous. Tout ce qui va se passer sur les côtés, forcément les yeux. Donc, ça, on le voit, mais notre cerveau ne pourra pas traiter toutes les informations. Plus on va vite, plus il y a d'informations forcément qui vont défiler et le cerveau peut pas tout analyser. Donc c'est pour ça qu'on dit que le champ visuel, bien sûr, se rétrécit. La zone où on va être concentré sera beaucoup plus réduite à une allure vive, une autre allure que si on est quasiment à l'arrêt. Donc lorsque je roule, mon champ de visuel se rétrécit. Réponse C. Question numéro 24. Je m'arrête pour céder le passage au bus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc, en ville, les bus, quand ils quittent leur arrêt, sont bien sûr prioritaires. Donc, ce bus manifeste son intention de s'engager avec son clignotant. Donc, bien sûr, je m'arrête pour lui céder le passage. Donc, bonne réponse A.
Question numéro 25. Je passe. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Donc là, nous arrivons face à un feu tricolore. Donc ce feu tricolore, donc c'est ce qu'on appelle un feu temporaire. Elle est là donc uniquement puisqu'il y a des travaux en face de nous. Donc pourquoi on a un feu? C'est pour gérer donc la circulation, puisqu'on peut passer qu'un seul véhicule. Donc à un moment, ce sera à nous de passer et à l'autre instant, ce sera aux autres en face de passer. Donc ça marche exactement comme un feu tricolore traditionnel, sauf que la petite différence, au lieu d'avoir le vert fixe tout en bas sur les feux temporaires, comme ça c'est un jaune clignotant. Mais la signification est la même. Si on passe par contre, il faut passer en faisant attention. Donc sinon les autres couleurs, que ce soit jaune fixe et rouge fixe, forcément, donc on fait exactement la même chose. Donc ici, nous sommes face au jaune fixe ou à l'orange fixe. Donc forcément, juste après, ça va passer au rouge. Donc il faut bien sûr s'arrêter. Je m'arrête quand on a le jaune fixe. Donc bonne réponse B. Question numéro 26. Pour ce croisement, j'ai la priorité de passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'actionne immédiatement le clignotant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc ici nous arrivons à un croisement assez difficile vu la largeur ici. Donc à cause de ce véhicule qui a mal stationné, donc la règle du coup de la route est claire. C'est celui qui rencontre l'obstacle qui doit céder le passage. Donc l'obstacle elle est de mon côté, donc je n'ai pas la priorité. Donc pour ce croisement j'ai la priorité. Non, c'est ce 4x4 qui est prioritaire puisque obstacle de mon côté. Alors, est-ce que j'actionne immédiatement le clignotant? Donc, oui, même si je m'engage pas tout de suite, je vais mettre le clignotant gauche. Pourquoi? Parce que j'ai un véhicule qui se trouve derrière moi. Le problème, quand on suit quelqu'un, on ne voit pas ce qui se passe devant lui. Donc, l'usager qui est derrière moi ne voit pas forcément mon obstacle. Donc, c'est pour ça peut le surprendre tout d'un coup que je m'arrête. Donc, je mets le clignotant pour en fait signaler que je souhaite. Je ne le fais pas tout de suite, mais que je souhaite m'engager dès que ce sera possible. Donc, ça prévient surtout ceux qui sont derrière nous. Donc, j'ai la priorité pour ce croisement. Donc, non. Mais j'actionne tout de suite le clignotant pour surtout prévenir derrière. Donc, P. Et c'est. Question numéro 27. Je peux tourner à droite à la prochaine intersection? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, prochaine intersection, donc qui se trouve à peu près là-bas. Alors, est-ce que je vais pouvoir tourner à droite? Donc, surtout les éléments qui vont me dire éventuellement oui ou non, ce sont forcément la signalisation, les panneaux. Donc, ici, on a un panneau qui nous interdit de tourner à droite. Par contre, est-ce que l'interdiction est valable pour tout le monde? Donc, non. On a un petit panneau ici qui ne précise que cette interdiction est valable uniquement au véhicule dont le poids est supérieur à 3,5 tonnes. Ce qui n'est pas le cas pour nous. Une voiture, quand on passe le permis B, on ne peut pas conduire un véhicule dont le poids est supérieur
à 3,5 tonnes. Donc ce panneau ne me concerne pas. Donc bien sûr, je n'ai pas d'autre interdiction pour tourner à droite. Donc je pourrais tourner à droite à la prochaine intersection. Donc bonne réponse B. Question numéro 28. Sans être secouriste, je peux couvrir les blessés. Réponse A. Donner à boire aux blessés. Réponse B. Rassurer les blessés. Réponse C. Donc, si j'arrive sur les lieux d'un accident, donc qu'est-ce que je peux faire sans être secouriste? Il y a plein de choses forcément qu'on peut faire. Donc, couvrir le blessé, donc oui, généralement un blessé ne bouge pas, donc il peut vite avoir froid. Donc, si on a une couverture, ne pas hésiter à le couvrir. Donner à boire au blessé, donc surtout pas. Même s'il réclame, on ne leur donne pas à boire. Et bien sûr, forcément, avec des paroles, je peux les rassurer. En attendant l'arrivée des secours, donc bonne réponse A et C. Question numéro 29. Je doute des intentions de cette voiture. Je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc, on a ce véhicule qui est sur le bas-côté et la main est sans clignotant à gauche. Donc, vous savez qu'on peut douter de ses intentions. Est-ce que ce véhicule, le conducteur nous a vu ou pas? Est-ce qu'il a bien regardé ses rétros ou pas? Donc, vous savez que l'on peut avoir un doute. Est-ce que je klaxonne? Donc, on klaxonne que ce soit en ville ou à agglomération. En cas de danger imminent. Donc là, il n'y a pas de danger immédiat. Je ne vais pas klaxonner. Par contre, je vais m'apprêter, voilà, si jamais elle s'engage éventuellement à poser la main sur le klaxon. Mais pour l'instant, je n'ai pas à klaxonner. Je peux me préparer si après la situation, si je vois ce véhicule s'engagerait, là, je peux le faire. Mais pour l'instant, j'ai juste un doute. Je n'ai pas à klaxonner. Par contre, donc je peux justement ralentir, je roule à 70 km/h. Hop, je peux alors ralentir, attention, s'élever le pied de l'accélérateur. Et il ne faut pas confondre, je ralentis et je freine. Parce que je pense, on a qui se sont dit, oui, mais il y a un motard qui arrive derrière. Si je ralentis, ce motard peut venir me percuter. Donc non, juste ralentir. Je vais pas surprendre le motard. Donc, par contre, s'il s'arrêtait, je freine fort là, non. Il n'aurait pas fallu un effort, forcément. Donc voilà, juste ralentir, c'est lever le pied, c'est décélérer. Donc je doute des intentions, je ne klaxonne pas. Par contre, je peux me préparer à klaxonner et je ralentis, je baisse tranquillement l'allure. Donc bonne réponse B et C. Question numéro 30. Je peux circuler avec les feux. De position seulement. Réponse A. De croisement. Réponse B. De route. Réponse C. De brouillard. Réponse D. Alors ici, quel temps fait-il? Donc on a des chutes de neige. Donc le problème quand on a des chutes de neige, la visibilité est très réduite. Comme on peut voir sur la photo, on ne voit pas très loin ce qui se passe. Donc le but forcément, c'est de se faire voir.
C'est pour ça qu'il faut allumer du feu. Par contre, quel feu on va utiliser? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les feux de position, comme les feux de route, on ne les utilise pas en pleine journée. Ça ne sert à rien. Les feux de position, c'est vraiment les deux petits feux qui n'éclairent rien du tout. On ne va pas être très visible de loin. Les feux de route, donc, c'est les gros feux qui éclairent très fort et très loin. Donc, il n'y a pas trop d'intérêt. Surtout de ce temps-là, on allume les feux, c'est pour être visible. Donc, on ne va pas mieux y voir avec des feux de route. Donc, en pleine journée, ce sera toujours les feux de croisement. Donc, qu'il y a des chutes de neige ou de pluie et du brouillard, donc ce sera toujours les feux de croisement. Donc, forcément, quand il y a de la neige, on va allumer aussi feux de brouillard, que ce soit avant et arrière, toujours bien, pour être mieux vu. Donc, bonne réponse B et D. Question numéro 31. Quelles sont les activités qui peuvent perturber la conduite? Manger, réponse A. Téléphoner avec une oreillette, réponse B. Écouter de la musique, réponse C. Fumer une cigarette, réponse D. Alors, quelles sont les activités qui peuvent perturber la conduite? Donc, par exemple, si notre attention est vraiment portée sur autre chose, ou si, par exemple, nos mains ne sont pas disponibles. Donc, si je mange en conduisant, donc forcément, mes deux mains ne vont pas être disponibles. Donc, forcément, ça peut perturber la conduite. Si jamais, donc, il faut réagir sur les commandes très rapidement, j'ai pas les deux mains disponibles. Alors, téléphoner avec une oreillette, donc ça, forcément, ça perturbe la conduite, puisque notre attention va être portée sur la conversation qu'on a au téléphone. Écouter de la musique, donc ça, généralement, ça perturbe pas plus que ça. Plus que ça, on peut écouter de la musique tout en conduisant. Parce que la musique, c'est un fond sonore. On ne va pas forcément être très attentif à la musique. Par contre, fumer une cigarette, voilà, pareil. Avoir donc la main, par exemple, une main qui est en train de tenir une cigarette. Donc, on ne va pas forcément libre les mains. Donc, les activités qui peuvent perturber la conduite. Donc, sans manger, téléphoner et fumer. Donc, bonne réponse A, B et D. Question numéro 32. Pour régler mon GPS, je stationne à droite sur ce parking. Je peux rester en feu de croisement? Oui, réponse A. Non, réponse B. Éteindre tous les feux? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, je vais m'arranger sur ce petit parking, donc pour pouvoir régler mon GPS. Alors, la question, c'est sur les feux. Est-ce que je peux rester en feu du croisement? Donc, oui, il n'y a aucune interdiction qui nous interdit de rester en feu du croisement. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Mais je peux aussi éteindre tous les feux. Alors, pourquoi on peut éteindre tous les feux? Parce que si on ne gêne pas la circulation, on a vraiment un emplacement qui fait beau. Donc, tant qu'on ne gêne pas la circulation, on n'a pas besoin d'être éclairé, d'être vu par rapport aux autres. Et justement, je peux choisir entre les deux. Il faut mieux éteindre tous les feux que plutôt de rester en feu de croisement. Pourquoi? Parce qu'on risque de perturber la circulation des autres. Au loin, on va voir les feux rouges. Ou les mêmes feux de position qu'on a à l'arrière, les véhicules. Et de loin, le problème, on ne sait pas
pas si le véhicule est en mouvement ou si elle est à l'arrêt sur l'accotement. Donc ça peut faire ralentir un petit peu pour rien. Mais voilà, il n'y a aucune interdiction au niveau des deux. Donc je peux utiliser les feux de croisement, rester en feu de croisement comme éteindre, tuer les feux, puisque je ne gêne pas la circulation. Donc bonne réponse A et C. Question numéro 33. La vitesse est limitée à 30 km/h, réponse A. 50 km/h, réponse B. 70 km/h, réponse C. 80 km/h, réponse D. Donc ici, nous circulons sur une route hors agglomération et on a du brouillard. Alors, on nous demande la limitation de vitesse. Donc ici, en règle générale, donc c'est une route à double sens de circulation hors agglomération. Donc c'est limité à 80 km/h, sauf qu'ici, on a forcément un épais brouillard et la visibilité est inférieure à 50 mètres. Et quand la visibilité est inférieure à 50 mètres, ça, c'est une règle qu'il faut savoir. La vitesse est limitée à 50 km/h, donc bonne réponse B. Question numéro 34. Pour parcourir 5 km en ville, la solution la plus efficace et la moins polluante est le bus, réponse A, le vélo, réponse B, la marche, réponse C, le scooter, réponse D. Alors, on nous demande pour parcourir 5 km en ville, la solution. Donc, attention, on nous demande la solution. Donc, ce n'est pas la solution. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a qu'une réponse possible. Il faut choisir sinon la question, ce serait les solutions les plus, etc. Donc, attention de bien lire les questions. Donc, il faut choisir parmi les quatre. Donc, on nous demande la plus efficace. Donc, c'est-à-dire, on va dire la plus rapide et la moins polluante. Alors, le bus, alors au niveau efficacité, ça va, sauf que bon, voilà. On roule entre guillemets assez vite. Le bus est pas normalement perturbé par les bouchons, sauf que voilà, il y a beaucoup d'arrêts et quand le bus s'arrête, le temps que les personnes descendent, montent, voilà, on perd pas mal de temps. La marche, donc la marche, elle, forcément, au niveau pollution, ben c'est zéro. Par contre, au niveau efficacité, pour parcourir 5 km, on va mettre quand même un certain temps. Donc, on va dire, c'est pas forcément très efficace, mais au niveau pollution, là-dessus, on est très loin. Le scooter, donc, lui, il va être très efficace, voire même dire, c'est le plus rapide. Par contre, au niveau pollution, n'est pas terrible. C'est un moteur. Donc, il va rejeter des particules. Donc, la plus efficace et la moins polluante, la solution, c'est le vélo. Le vélo va quasiment aller aussi vite qu'un scooter. Mais par contre, le vélo ne pollue pas. Donc, forcément, la solution la plus efficace et la moins polluante, c'est le vélo. Bonne réponse B. Question numéro 35. Un test salivaire peut détecter une consommation de cocaïne. Oui, réponse A. Non, réponse B. D'extasie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc, un test salivaire effectué par les forces de l'ordre, bien sûr, peut détecter une consommation de cocaïne comme d'extasie. Donc, bonne réponse A et C.
Question numéro 36. Pour remplir un constat amiable, il faut l'attestation d'assurance. Réponse A. La vignette du contrôle technique. Réponse B. Le permis de conduire. Réponse C. La carte grise. Réponse D. Alors, pour remplir un constat à l'amiable, donc quel document il faut avoir? Donc là, on va dire le haut de la page de ce constat. Donc on va noter la date de l'accident, l'heure, le lieu. Donc on a une colonne pour chaque véhicule, ce qu'on appelle le véhicule A et le véhicule B. Donc comme on peut voir la première partie, donc ça va être le véhicule et le preneur de l'assurance. Donc, c'est-à-dire la personne qui a souscrit un contrat d'assurance. Donc, pour ça, pour remplir ça, il faut l'attestation d'assurance. Ensuite, donc, il va falloir noter les informations du véhicule qui a été accidenté. Donc, c'est pour ça, il faut la carte grise. Là-dessus, on aura le numéro d'immatriculation, la marque du véhicule. Voilà toutes les informations qu'il faut. Il va falloir aussi donc le permis de conduire du conducteur pour noter parce que ce n'est pas forcément le conducteur qui a souscrit à l'assurance, ce n'est pas forcément sa voiture, donc ça peut être forcément différent. Après la vignette et du contrôle technique, ça, il n'y a pas besoin pour remplir le constat amiable. Donc on a l'attestation d'assurance, le permis de conduire et la carte grise. Donc bonne réponse A, C. Question numéro 37. Le stationnement derrière le véhicule blanc est payant. Réponse A. Gratuit. Réponse B. À durée limitée. Réponse C. Contrôlé par disque. Réponse D. Alors, si je veux stationner derrière ce véhicule, qu'est-ce que je dois faire? Alors, ce panneau qui va nous préciser, donc ce panneau, donc c'est un panneau déjà 2 ans, parce que c'est un panneau carré. Donc, c'est-à-dire, après ce panneau, on sera dans la zone indiquée. Donc, on va entrer dans une zone où le stationnement est interdit. À part si on utilise le disque de stationnement, donc interdiction de stationner. À part si on utilise le disque de stationnement, et ce disque doit être utilisé entre 9h et 19h. Et on stationne maximum 1h30. Donc si je vais stationner derrière ce véhicule, j'entre bien avant dans la zone. Je rencontre le panneau avant ce stationnement. Si le panneau est au niveau du feu, là je n'aurai pas tenu compte de ce panneau. Donc stationnement contrôlé par disque, bien sûr. Donc, quand c'est contrôlé par disque, c'est gratuit. Il n'y a pas besoin de payer. Par contre, là, la contrainte, vous avez vu, c'est au maximum 1h30. Donc, c'est à durée limitée. J'ai droit maximum jusqu'à 1h30. Donc, bonne réponse, B, C et D. Question numéro 38. Je peux suivre le véhicule qui vient de passer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, nous arrivons à un carrefour géré par des feux tricolores. Donc là, on a un feu rouge. Donc normalement, il faut s'arrêter, bien sûr. Quand le feu est rouge, on ne passe pas, sauf qu'il y avait un indice juste ici. Donc pour ce qu'on vient de dire, on avait une flèche orange clignotante pointée sur la droite. Donc ça signale que ceux qui tournent à droite ne peuvent pas passer, mais en cédant le passage. Jamais quelqu'un qui arrive à gauche, il faut faire attention. Et comme on avait la flèche orange clignotante, bien sûr, comme ce véhicule, on peut s'engager pour tourner à droite. Donc, c'était oui, réponse A.
Question numéro 39. La situation présente des risques de perte d'adhérence, réponse A, d'aquaplaning, réponse B, de projection de gravillon, réponse C. Alors, ce panneau, donc, c'est un panneau temporaire, un panneau de danger. Qu'est-ce qu'il nous annonce? Donc, chaussée glissante, on a la voiture qui part dans tous les sens, chaussée glissante. Pourquoi elle est glissante? Parce que, donc, ils viennent de refaire la route, ils ont posé, ils ont collé du gravillon sur le sol. Le problème, donc, ces gravillons ne sont pas à 100% collés. Donc, le problème, on risque forcément de perdre l'adhérence. De perte d'adhérence, c'est ce que veut dire surtout ce panneau, risque de perte d'adhérence. Alors, on n'a pas de risque d'aquaplaning. L'aquaplaning, je vous rappelle, ça à cause de la pluie, de l'eau. Si jamais il y a trop d'eau, donc le pneu ne peut pas évacuer toute l'eau. Et là, on risque de glisser, mais là, ce n'est pas le cas. On risque de glisser par rapport à des gravillons. Et on risque bien sûr aussi de projeter des gravillons. Le pneu, quand il roule, il va soulever les gravillons. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir une bonne distance de sécurité si on suit un véhicule pour ne pas recevoir des gravillons de notre voiture. Donc, bonne réponse A et C. Question numéro 40. Le moteur tourne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le frein de parking est serré. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc ici, nous sommes face à un tableau de bord d'un véhicule. Donc qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qu'on peut lire sur un tableau de bord? Donc forcément différentes informations. Alors première question déjà, est-ce que le moteur tourne? Donc cette information, on va la trouver ici par rapport à cette aiguille. C'est ce qu'on appelle le contour. Donc ça compte les tours que fait le moteur. Donc ça compte, ça reproduit de la vitesse du moteur en nombre de tours par minute fois 1000. Par exemple, si l'aiguille est au niveau du 1, le moteur va faire 1000 tours toutes les minutes. Donc, est-ce que du coup le moteur tourne ou pas? Donc, il faut regarder cette aiguille. Si elle sera à 0, forcément, bah, le moteur fait 0 tours par minute. Elle sera à l'arrêt, sauf que le moteur n'est pas à l'arrêt. On est à peu près à 750 tours par minute. Donc, bien sûr, le moteur tourne. Le frein de parking est serré. Le frein de parking, comme le frein à main. Donc pour ça, on a un voyant qui s'allume ou pas sur le tableau de bord. Et ce voyant, c'est celui-ci. Quand ce voyant est allumé, si on ne roule pas, ça signale que le frein de parking ou le frein à main est serré. Donc, bonne réponse A et C. Cette vidéo a été coupée car elle était trop longue. Pour compléter la vidéo, vous trouverez sa suite dans la description ou cliquez ici. Cette vidéo a été coupée car elle était trop longue. Pour compléter la vidéo, vous trouverez sa suite dans la description ou cliquez ici.